accompagne au retour en Espagne. J'avais prévu de ramener le calice de toute façon, mais je ne m'attendais pas à me retrouver ici. La villa de Vasconcellos était toujours aussi magique, le temps toujours aussi clair, et Lopez toujours en train d'arroser ce satané gazon. Je commençais à me demander si le tuyau ne faisait pas partie de son corps. Ok. Salut Lopez, ça boum. Señor Stobart, comme je suis content de vous voir. Vous allez bien? Très bien, merci. La comtesse est là? Elle vous attend. Suivez-moi. C'est bon, je connais le chemin. Señor Stobart, je crois que je vous dois des excuses. Mais non. Des excuses? J'ai été très désagréable lors de notre première rencontre. Écoutez, Lopez, on oublie tout. Je suis arrivé ici comme un marchand de tapis. Je réagis de la même manière. Vous n'y comprenez pas. En retrouvant le calice, vous avez redonné à la comtesse le goût de la vie. C'est merveilleux. Elle sourit. Elle rit même. Les gens disent qu'elle sous Prozac. Alors, il y avait le miroir à prendre. Le miroir pris dans le placard de Lopez. Eh oui, j'étais toujours aussi beau. Seigneur Stobart, quelle bonne surprise. Asseyez-vous. Bonjour, comtesse. Tout le plaisir est pour moi. Je vous ai rapporté le calice. Oh, vous l'avez nettoyé. Parce que George Stobart fait même la vaisselle. J'ai rencontré un prêtre sympathique qui l'a fait pour moi. Alors vous avez résolu le mystère des Templiers? Non, pas encore. Je ne sais toujours pas ce que je recherche. Il y a de nombreuses histoires qui courent sur les richesses cachées des Templiers. En tout cas, tout ce que je veux, c'est empêcher les autres de mettre la main dessus. Ah, être jeune et vivre dans un monde pur et fraternel. Il y avait autre chose de gravé sur la tombe de Don Carlos. Des annotations bibliques. Quelles annotations, Seigneur Stobart? Psaume 32, 7, Corinthiens. Je ne connais pas tous les chapitres de la Bible par cœur. Vous ne savez pas à quoi renvoient ces références. J'ai oublié de demander au prêtre. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire grâce au calice. À Paris, j'ai trouvé une église où ils ont reconnu le blason. J'ai trouvé la tombe de Don Carlos de Vasconcellos. Vous en êtes certain? Il n'y a pas d'erreur? Le blason et le calice correspondent parfaitement avec celui de la tombe. Incroyable! Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je dois m'y rendre au plus vite. Je serai heureux de vous servir de guide. Je vais jeter un coup d'œil si cela ne vous gêne pas. Vous êtes ici chez vous. Je reste ici. Est-ce qu'on peut traverser le jet d'eau? Oui, ça l'emmerde même pas. Alors là, il fallait fermer la fenêtre pour pouvoir
allumer la bougie. Et pour allumer la bougie, il fallait mettre le mouchoir sur la perche. And then... And then... Ah ah! La dernière pièce d'échiquier. La bougie avait brillé avec éclat, mais pendant quelques minutes seulement. Une formule spéciale, sans doute. Une forme complexe taillée dans une pierre. Ça devait être une sorte de clé. On va rendre tout ça à la comtesse. C'est encore moi. Puis-je m'asseoir? Faites donc. Voici la Bible du mausolée. Très bien. Commençons. La première référence? Psaume 32, 7. Voici ma cachette. Elle me préservera des épreuves. Elle me consolera en célébrant la liberté. Ma cachette. Ne soyez pas trop optimiste. Il ne s'agit peut-être que du calice. Oui, vous avez raison. La suite. D'accord. Jean 4, 11. Jean 4, 11. Voilà, le puits est profond. La suite, vite. Oui, oui, Corinthiens 4, 5. C'est ça. Ramènera à la surface les choses enfouies. Quelque chose d'autre? Encore un, toujours les psaumes 22, 21. Sauve-moi de la gueule du lion, toi qui m'as entendu sonner l'olifant des licornes. Le dernier est confus. Des lions, des licornes, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne vois vraiment pas. Il nous faut porter notre attention sur la cachette et le puits profond. Le mausolée n'est certainement pas un puits, monsieur Stobart. Y a-t-il un puits dans le domaine? Je ne sais pas. Il y a dû y en avoir un dans le temps. Il faudrait mieux demander à Lopez. Je vais refaire un tour si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Très bien. Eh ben, on va aller parler avec Lopez alors. J'aime bien parler avec Lopez. Salut Lopez, vous avez une minute? Certainement, Seigneur. Que puis-je faire pour vous?
Il faut que vous sachiez tout au sujet de cet endroit. Si, j'ai passé toute ma vie ici, au service des deux Vasconcellos. Savez-vous s'il y a un puits dans le coin? Un puits? Si, seigneur. Cette villa était, il y a longtemps, une place fortifiée. Comment tiendriez-vous un siège sans eau? Très bien, où est-il? Comment les saurais-je? Les puits furent condamnés au siècle dernier. Trop dangereux. Et vous n'avez pas la moindre idée? Aucune. Il était déjà enfoui du temps de mon grand-père. Vous devez bien avoir une vague idée. Il devait être du côté de l'ancienne maison, c'est-à-dire pas loin d'ici. Ici? Bon, comment fait-on? Il y a peut-être un moyen. Laissez-moi réfléchir. Alors, ça vient? Nous cherchons une source, si. Oui? Depuis des générations, les paysans espagnols ont un secret pour trouver des sources, même très profondes. Oh, vous n'êtes pas en train de parler de baguettes de sourcier, non? Hein? Vous savez, vous prenez une brindille et vous marchez jusqu'à ce que le brindille vacille et se plante. Oh, vous en avez entendu parler? Je crois qu'une bonne partie de la planète aussi. Bon, cherchons une branche. Un momento. Ce doit être une des branches spéciales. Une Y de noisetier. Bon, vous avez des noisetiers? Si, ici. C'est tout noisetier! Si, ici. Le mec te montre un truc, tu ne sais absolument pas ce que c'est. Ok. À plus tard, Lopez. Adios, señor Stobar. Alors voilà à quoi ressemble un noisetier. Je passais de l'autre côté pour trouver un bâton approprié. Je n'y crois pas. Il n'y avait pas une seule branche en forme d'Y dans tout l'arbre. Il me semble qu'il y a des autres noisetiers sur la gauche. Normalement, il fallait lui demander, il dit qu'il y en a d'autres là-bas, mais bon. Ça ressemblait beaucoup à un noisetier. Ouais, non, pas du tout, mec, mais c'est pas grave. Je passais de l'autre côté. Ah, ah. Ah. C'était une branche de noisetier fine et souple. Mais oui. Voilà. Le misclic. Le petit coup de geekzone, vous l'avez vu, hein. Salut Lopez, vous avez une minute? Certainement, seigneur. Que puis-je faire pour vous? Bon, j'ai ma baguette magique. Et maintenant? Rien de plus facile, seigneur. Tenez-la aux extrémités du Y. Resserrez un peu les deux bouts afin d'étendre la brindille. Vous pourrez ainsi remarquer la moindre vibration et marcher lentement dans les coins. Ça semble assez facile. On va le trouver, ce puits, rapidement. Ça cherche la source. Pendant ce temps-là, Lopez est en train de se faire dorer la pilule. Seigneur Sobart, Vous avez trouvé quelque chose? Ça y est, le secret des Templiers est ici. Ok. Enfoui depuis des siècles. Perdu pour les hommes, jusqu'à aujourd'hui. Le mystère est percé. C'est une boîte de conserve. Je me suis démené comme un diable avec une brindille dans les mains pour une boîte de conserve. Elle est remplie. C'est pour cela que la baguette du sourcier l'a détectée. Il faudrait vérifier avec un archéologue, mais je ne crois pas que les Templiers avaient pu laisser ça. En fait, seigneur Stobart, les gazons a été planté il y a très longtemps. Cette boîte peut très bien dater des guerres napoléoniennes. Balancez-la, je recommence. Lopez lança la boîte. Elle sembla tomber pendant des siècles. Ah. «
Le bruit qu'elle fit en atteignant l'eau confirma ce que nous pensions. Je veux bien être pendu. C'était là sous notre nef. Tout ces temps, et personne ne l'a trouvé. Nous restâmes un instant stupéfaits, laissant la magie du mystère nous envelopper. Il aurait pu y tomber des centaines de fois. Où l'on découvre que Lopez ressemble à Éric Zemmour. Le puits avait été abandonné depuis des années. L'air y était frais, mais ce n'était pas ça qui me donnait la chair de poule. J'ai un très très mauvais pressentiment. Sans déconner, moi aussi. Ça s'appelle la sauvegarde. Alors, il était question de... Si mes souvenirs sont bons... Une énorme tête de lion en pierre avec une gueule béante aux dents acérées. Personne n'avait dû croiser son regard depuis des siècles qu'elle attendait dans l'obscurité fraîche. Les paroles du psaume me revenaient à l'esprit. « Sauve-moi de la gueule du lion. » De loin, la gueule du lion était impressionnante. De plus près, elle était effrayante. « Hé, une des dents bouge !» On bouge la dent. Et très vite... Je distinguais un bruit de pierre qui s'entrechoquait. J'étais en danger. La corde... GG. Ah, très drôle, bande de cinglés. Seigneur Stobart! Seigneur Stobart! Rien de cassé? Ça va, Lopez, je n'ai rien. Que susto me has dado! Vous m'avez fait peur! Bien joué, Templier. La lampe de Liri aurait été la bienvenue maintenant. Cela ressemblait à un mur en pierre. J'avais failli être tué en sauvant un hareng sort. Il est question de miroir, me semble-t-il. Ah non ? S'il y a un truc avec ça, faut utiliser le miroir. Voilà. Voilà. Au milieu de la porte, je désencoche. Mes affaires semblaient s'arranger. Sésame, ouvre-toi. Une autre porte secrète. Ok, go. Avant de partir, cependant, il y avait encore quelque chose à faire. Vous n'aurez plus besoin de cette copie, comtesse. J'ai retrouvé l'original avec les enfants. Vous voulez certainement rester seul un petit moment. Je resterai dans le jardin avec Lopez. On va jouer au jocari avec Lopez. Et en fait, il lui ment. Et il se tire. Georges! Tu es de retour. Entre, Georges. Je suis contente de te revoir. Oh, l'enfoiré, il est chez ma meuf. Bien sûr. Qu'as-tu trouvé en Espagne? Sans André, nous n'aurions pu avancer autant, Georges. Oui, je sais. Les indices menaient à une chambre souterraine, au fond d'un puits. Les Templiers avaient laissé une tapisserie qui formait un échiquier. Les pièces blanches étaient largement dominées.
Il y avait un ruisseau qui traversait l'échiquier et un templier à cheval. Est-ce que ça te dit quelque chose, André? Non, rien du tout. Peut-être que tu devrais dire à André ce que tu as trouvé d'autre, Georges. Il y a une carte et une inscription en latin. À l'ouest, à la limite du monde. Georges a trouvé ça dans une grotte en Syrie. Ouais, là où l'assassin a failli m'avoir. Et on a aussi le bûcher de Jacques de Molay et la date, 1314. Qu'on a eu sur le vitrail de l'église de la place de Montfaucon. Un des rares endroits où personne n'a essayé de me tuer. Il y a aussi l'image montrant une église que Georges a trouvée dans les fouilles. Je ne me souviens pas que quelqu'un ait essayé de t'éliminer là-bas non plus. Et pour finir, nous avons la tapisserie en Espagne. Est-ce que je vous ai dit que j'ai failli mourir là-bas? Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Ce sont uniquement mes réflexes de félin qui m'ont sauvé d'une mort inéluctable. Tes réflexes de félin? Et quand j'ai risqué ma vie, où étais-tu, André? Tu usais tes lunettes à regarder un vase étrusque? Bon, ça suffit, les garçons. Est-ce qu'on pourrait de nouveau penser à sauver le monde? Bien sûr, je m'excuse. C'est lui qui a commencé. En fait, la phrase en latin est de Jules César. C'est ainsi qu'il décrivait l'Angleterre. Tu es sûr? La carte ne ressemblait pas vraiment à l'Angleterre. Pourquoi César décrivait-il la Grande-Bretagne comme la limite du monde? Pour les Romains, la Méditerranée était le centre de l'univers. L'Angleterre était un endroit éloigné, inhospitalier, peuplé de sauvages peinturlurés en bleu. Ça n'a guère changé. Ils ne se peignent plus en bleu. Sauf quand il y a un match de foot. Ils utilisaient un extrait de plante appelé la guêde, Lysatis tinctoia. Les Écossais l'utilisaient encore, il n'y a pas si longtemps, quand ils se battaient contre les Anglais. Il n'y a pas si longtemps? Je ne me souviens pas d'un conflit entre les Écossais et les Anglais. Que signifie pas longtemps pour toi? Je pense que les hommes de William Wallace l'utilisaient au XIIIe siècle. Ils l'ont sans doute utilisé jusqu'en... La mémoire commence à flancher, hein? 1314. Ah, nous y revoilà. André, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire? 1314, en Écosse. La bataille de Bannockburn. Ça expliquerait le ruisseau sur l'échiquier. Le mot burn veut dire ruisseau en vieil écossais, n'est-ce pas, André? Comme dans Bannockburn. Comment il se la pète ? Exactement, et il y a mieux. La légende veut que les Écossais furent aidés par une armée de... Vous devinez pas? De chevaliers du Temple? Ouais, une armée de Templiers dissidents. Leur intervention a été capitale pour la victoire des Écossais. Et tout se termine à l'église. En Grande-Bretagne, à Bannockburn, dans une église. Qu'est-ce qu'on attend alors? J'appelle un taxi. Mais on y va sans André. Hein. Je peux pas y aller. Oh, comment tu flippes. André, tu as vraiment été d'une grande aide, mais... Ce que Georges essaie de dire, c'est que tu n'as pas à te sentir coupable. C'est ce que je voulais dire? Oui, on comprend, t'as pris d'autres engagements. Écoute, faut y aller, laisse tomber le taxi, Georges. On va éclaircir tout ça. Et ne t'en fais pas pour nous, surtout.